représenté devant autant d'étudiantes. Coup, ça m'a, je lisais et je me disais, oh, mais nous sommes aux études dit. Supérieures. Enfin, voilà. Vous êtes le public cible. Exact. Alors, c'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas de questions immédiatement, si vous voulez prendre peut-être quelques secondes pour que ce texte s'imprègne dans votre corps. Mais vous sentez pas, on peut discuter librement, il y a pas, vous pouvez être en désaccord, peu importe. Voilà. L'idée c'est de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait peut-être poser une première réflexion, une question, une opinion? Je trouve ton texte inattaquable et très, très, très juste, très nécessaire. Donc, je n'ai pas de questions. Mais seulement peut-être une remarque sur le début. Ta description du charme du professeur qui rentre en salle de classe. Pendant que tu lisais, tout ce que tu disais, chacune des phrases, j'aurais pu la mettre au « L » et probablement j'aurais pu la mettre au « Je » aussi. Ah oui, 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 absolument. Alors, je me demande en fait, tu sais aussi ce que se demande Yvan Rivard, comment tracer la ligne, évidemment la ligne sexuelle elle est nette, elle est facile à identifier, mais avant ça, dans la relation de charme d'une certaine façon qui est celle de l'enseignement, qu'est-ce qu'on fait justement de cette part de séduction comme exercice rhétorique d'une certaine façon de la transmission du savoir? Mais moi, je ne suis pas en désaccord avec ça. Je pense que Rivard arrive à aborder cette question-là très habilement, très délicatement. Je pense que c'est notre responsabilité comme prof d'être conscient de ça. C'est-à-dire que c'est une relation transférentielle. On le sait, on joue ce rôle-là, et l'étudiant est dans le rôle qui est le sien, de réception, dans un truc de théâtre, spectacle, public, bon, tout est là. On le sait, on peut l'analyser, on peut le décortiquer, on peut le mettre sur la table et dire voici comment ça se passe. Mais du moment qu'on abuse de cette position-là, qu'on transgresse, on est responsable. C'est là le problème. C'est pas qu'il n'y a pas de charme, il y en a, mais on le sait. Donc minimalement, on rencontre les étudiants à la porte ouverte. Hein? Mais ça nous semble évident, mais on le fait pas. Ça se fait pas. On arrive à, je sais pas moi, à vous voyez, mais à vous voyez parce qu'on sait qu'on a devant nous quelqu'un qui est en position de fragilité émotive. Donc, c'est des choses comme ça, il faut seulement en être conscient comme prof. Donc, je suis pas du tout dans l'illusion que ça ne joue pas, au contraire, mais parce qu'on sait que ça joue, on en est responsable. Je pense que c'est ce qu'il essaye de pointer, Rivard, non? C'est exactement ça, c'est que ça fait partie de l'apprentissage, mais bien sûr. Comme quand on voit, inhérent à l'apprentissage, en fait. Oui, mais comme quand on va au théâtre, enfin, on transfère, on projette, on est sans arrêt dans ces mouvements psychiques-là. La différence, c'est qu'en tant que prof, on est au courant. Enfin, on est censé être au courant. J'aurais peut-être je ne sais pas comment on a pris le commentaire, Thomas. C'est juste en même temps, je pensais aussi à l'oppression que subissent ces étudiantes-là, du côté des étudiantes aussi. Je veux dire, l'espèce de compétition qui augmente quand il y a des professeurs justement qui abusent de ce charme. Oui. On dirait vraiment que tout se tourne contre la victime, finalement. Oui. Puis j'ai même fait mettre des guillemets parce que c'est tellement. On refuse tellement de le voir comme ça. Mais c'est ce que j'essaie de dire par la pipelisation du milieu littéraire. Tout d'un coup, dans les couloirs de l'université, se joue un soap américain. Oui, c'est ça, avec une compétition qui en bas. Puis c'est vraiment. C'est le côté peut-être qui est un des côtés qui me trouve beaucoup, c'est quasiment jouer à occupation d'autres. Oui, absolument. Mais c'est absolument ça. Finir la série, finalement. Oui, ça devient un truc de télé-réalité. Moi, j'ai une collègue qui est arrivée au département il y a quelques années, puis on en discutait. Et elle m'a dit, moi, ce qui me choque, et ce qui me choquait comme étudiante, parce que c'est une étudiante qui est originaire de l'UDM. Et elle disait, c'était systémique pour elle. C'est que ça se passe, et qu'au fond, tous les membres du département sont donc impliqués. Parce que ça, sont complices, mais même sont témoins d'une scène, et donc sont embarqués dans une histoire à laquelle, au fond, ils ne veulent pas participer. Donc, comme étudiante, c'était cette rivalité. Et comme collègue, parce que, bon, tout d'un coup, on devient prof, et là, on est témoin de nos collègues, parfois copains, amis, ils le font sous notre nez,
Et là, pareil, on est complice parce que, bon, ça devient ultra compliqué. Donc, c'est pas juste le rapport, si c'était que ça, ça serait assez simple. Au fond, on pourrait dire, bon, tout le monde s'occupe de ses bébelles et puis on n'en est pas trop conscient. Mais c'est qu'en plus, c'est systémique. Mm-hmm. Ça donne ça rappelle les études psychologiques des systèmes familiaux. C'est-à-dire, il faudrait aborder le département ou un département universitaire de cette façon-là, ou un milieu, et voir comment, justement, une relation prof-étudiante a un impact sur tout ce monde-là. Donc, tout le monde est en relation, en fait. Mais c'est ça, mais ce qui crée un silence qui est quasiment infranchissable, oui. Puisque tout le monde a intérêt à se taire, parce qu'après, ça devient la réputation du dit département, puis on ne veut pas salir. Non, absolument. Question très terre-à-terre, en fait, par rapport au... chaque université a ses directives, lois, etc., ouais. Par rapport à l'harcèlement sexuel, et comment ça se passe à l'UQAM, et est-ce que ces étudiantes-là dont tu parlais sont entrées en contact avec l'administration? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le dépôt d'une plainte officielle. Mm-hmm. Et là, c'est le cas d'un collègue qui fait ça à répétition. Mm-hmm. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, les étudiantes, les profs le savent. La personne à qui c'est arrivé ne le savait pas. Ça lui est donc arrivé. Et éventuellement, elle a déposé plainte. Le résultat de cette plainte est très léger. Mm-hmm. C'est-à-dire que le bureau du harcèlement rencontre le prof verse 2-3 larmes, et ensuite, la vie reprend son cours. Et ça recommence. Mais ces fonds n'étaient pas retirés de façon temporaire? Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Non. Après, bon, j'imagine que dans le détail, il faudrait que j'aille lire les documents, c'est une prochaine étape, mais probablement que c'est à répétition que les plaintes sont déposées, que là, bon, il y a un dossier costaud qui se construit, bon, qu'il y a quelque chose de plus solide qui s'opère. Mais le problème, c'est aussi, comme dans n'importe quelle situation de viol, par exemple, hein, c'est qu'il y a peu de plaintes. Oui. Et moi, bon, vous imaginez, moi, je suis prof de féminisme. La fille arrive dans mon bureau, me raconte ce truc, et grosso modo, comprend que tout le monde est au courant, que ça se passe depuis des années. Et comment je me sens, moi? Je me dis, mais oui, on est au courant, mais il n'y a pas de plaintes qui sont déposées. Comment vous voulez qu'on fasse? On est même, en tant que collègues, liés. On a les mains liées. Mais même la notion de plainte ne fonctionne pas. Dans les ben on ne fait même pas confiance, c'est mais ça. Mais il n'y a pas de preuve. C'est tout le système judiciaire, même d'investigation, est à remettre en voilà. cause. Puisque ces modalités ne fonctionnent absolument pas. Dans absolument. Le Et dans ce cas-là, c'était possible parce qu'il y avait témoins. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de témoins. Exactement. Donc, c'était un cas qui était béton. Tu parlais de responsabilité, mais je pense que c'est la responsabilité de tous dans tous les départements. Ouais. Bon, je ne sais pas si ça, les gens en parlent dans les réunions départementales, mais tu parlais du simple geste de garder les portes ouvertes durant les réunions. Moi, je pense que c'est des choses qui doivent... C'est des choses qui pourraient être dites. Dites, mises en place, partagées au sein des universités du Québec pour commencer. Bon. Ben, c'est le genre de choses qu'on essaie. Toi, à l'UQAM, là, il y a des comités, ça se passe un peu partout dans mon université, mais il y a un comité qui s'attaque à la question du sexisme de façon générale dans l'université. Donc, on va essayer de mettre en place des pratiques comme celle-là, à la fois d'éducation pour les jeunes étudiants qui sortent du cégep qui arrivent à l'université, et puis ensuite, probablement, des trucs pragmatiques de ce type-là. On laisse les portes ouvertes, etc. Mais c'est récent, c'est-à-dire qu'on commence là, en 2014. C'est quand même... Il y a du dommage qui a été fait. Et dans mon département en particulier, mais il y en a d'autres qui sont pareils, sinon pires, là, c'est très difficile. C'est difficile d'en parler, c'est difficile d'amener des personnes en position hiérarchique supérieure à en parler. Les collègues se protègent, il y a des gens qui sont amis, tout est compliqué. Politiquement, c'est très délicat. Mm-hmm. Donc, voilà, moi-même, j'arrive pas à bien savoir comment manœuvrer, hein. Et même au niveau juridique, en fait, est-ce que ça sort de l'université ou est-ce qu'en fait la plainte, elle ne se rend jamais à l'extérieur? Je pense que ça ne se rend pas à l'extérieur. C'est la question de la frontière. Ouais. C'est la question c'est que la loi ça reste implicite universitaire est imperméable à l'extérieur. Ben, si c'était un cas de viol criminel, bon là oui, mais bon, dans un cas de harcèlement, je pense que il y a quelque chose là qui est différent. Oui, comme au travail, ça resterait dans l'entreprise. Je pense que oui. Il y avait Clara qui avait une question, non? Je me demandais, Martine, si vous avez pensé, c'est très inabouti, là, mais puis on en a parlé avec Lucia aussi, j'ai l'impression, surtout comme étudiante qui commence à enseigner, bon, tout ça, puis on change de perspective aussi, puis plus ça va, moins justement, plus on prend distance par rapport au tissu étudiant,
Puis, tu sais, j'ai essayé de me questionner vraiment sur le rapport au corps, surtout chez les étudiantes filles, femmes. Mm-hmm. On dirait que pour moi, il y a une espèce de paradoxe entre justement cette espèce de rapport, de sexualisation des rapports, toujours latent entre majoritairement mm-hmm. Les étudiantes et les professeurs masculins. Et d'autre part, une espèce de refoulement de toute sexualisation du corps féminin, comme si justement c'était tout. C'est-à-dire comme si. C'est-à-dire que moi, je me souviens comme étudiante, puis c'est peut-être moi, mais je pense que c'est pas juste moi, justement, comme étudiante au bac, par exemple. Vaut mieux être asexuée, vaut mieux surtout être soit l'étudiante enfant, invisible, ou l'étudiante. Garçon-fille, c'est-à-dire où il n'y a aucun signe qui... Parce que tout signe de marque, puis je ne parle pas de venir nue à l'école, là, mais tout signe de vivre dans son corps, comme à travers la mode ou quoi que ce soit, ou même signe distinctif, est pris dans, tout de suite dans ce système de séduction. Ouais. Alors qu'on peut aussi vivre son corps de façon non adressée à la position de pouvoir. Mais absolument, aussi. Ça ne devrait pas être dans cette économie-là d'emblée. Ça, c'est le même type de discours qu'on entend. Bon, c'est les clichés gros comme une maison. Hein. Elle a porté une jupe trop courte, elle l'a cherchée. Bon, c'est ça. Les étudiantes, eux, n'ont pas à faire attention à comment elles s'habillent. On dirait s'habille. Après, chacun, on prend nos décisions puis on gère notre identité. Je veux dire, moi, j'ai eu des filles dans mes cours de toutes sortes, et puis bien franchement, je ne me sentais pas interpellée ou... Bon, je trouvais ça intéressant d'avoir cette collection de styles vestimentaires devant moi, mais je comprends tout à fait qu'en tant qu'étudiante, devant un prof masculin, et surtout, plus on monte dans la hiérarchie, plus on fait attention. Et c'est pour ça que j'ai bien dit, c'est en majorité des étudiantes aux études supérieures, mais les études supérieures sont aussi... On oublie la spécificité des études supérieures. On met les étudiantes ou les étudiants dans le même bac, dans le même sac. Mais c'est pas pareil. Les classes au premier cycle, en tout cas à l'UQAM, sont gigantesques. Donc, moi, si j'arrive à me souvenir d'un nom, c'est beau. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose comme une foule qui protège aussi les étudiants. Ils sont tous dans la même foule, donc on les voit de façon beaucoup moins singulière. Mais aux études supérieures, là, c'est des rapports privilégiés qui s'installent. À la fois des séminaires plus petits, et puis bien sûr le rapport de supervision, de direction de recherche, et les contrats de recherche, et les colloques, et les centres de recherche, et là tout se démultiplie, et c'est autant de lieux de pouvoir et de lieux possibles de séduction. Et là je comprends que rendu là, on fasse vraiment attention, qu'il y a une professionnalisation aussi qui s'opère un peu du milieu universitaire, donc on s'habille en conséquence, bon tout ça. Mais au fond, enfin, vous demeurez étudiant. Ça continue à être un lieu d'enseignement d'abord et avant tout, et non pas un lieu professionnel, justement. Enfin, ça ne devrait pas prendre toute la place, hein, cette foutue affaire de subvention de recherche. Hein. Ça me fait penser à ce qu'on a un peu parlé au début, peut-être c'est trop abstrait selon l'éthique qui est en cours ici, mais reste qu'on parlait un peu en introduction de Martin Buber, puis à un certain moment, justement, il parle d'une façon beaucoup moins dans le cadre théorique, pas théorique, mais plutôt très, très concret de ça. Il parle que justement, la relation entre l'enseignant et l'élève, l'enseignant aussi apprend de l'élève, en quelque sorte. Mais j'ai l'impression que dans ce cas-ci, même si comme quelqu'un pourrait tourner cette rhétorique-là et dire je ne sais trop quoi, que comme finalement un élève en se donnant à la prompte, ce qui est complètement absurde, mais je trouve que. En tout cas, dans le langage de Buber, ça serait toutes les bourses et les subventions, c'est vraiment comme pervertir une sorte dans le monde de la machinerie qui roule, puis que justement on n'arrive plus à arrêter. Quand que le monde de l'enseignement, ça va être trop idéaliste, comme est supposé, justement. En ce sens-là, c'est pour ça que je trouve que, entre autres, que c'est beaucoup la responsabilité de l'enseignant qui prend pas, qui me semble en tout cas, absurde. Entre autres, comme même si c'était ciblé par les filles, bien sûr, mais je me demande parce que justement, moi en tant que gars, je vois pas tant ça en tout cas. Je vais entendre des histoires, mais je crois que c'est comme plus éloigné peut-être de ma réalité parfois. Tu sais, puis je trouve, en tout cas, bref. Mais les enjeux du côté masculin sont intéressants aussi. Ouais. Hein, je pense que la question du clone.
de l'émulation, du ouais. « je fabrique un autre comme moi-même », ouais. du côté garçon, c'est quand même costaud, ouais. ça. La gang de gars, le Boys Club, justement, n'est pas qu'un lieu de pouvoir, il est aussi un lieu de, d'annulation des différences, d'abolition de la singularité, et puis le garçon aux études supérieures devient un rouage dans une machine qui, bon, que le prof met en marche. Ouais. Donc, il faut être prudent. Hein, non, ça se voit. Donc, non, la sexualité touche l'intégrité du corps. C'est là qu'à chaque fois, c'est à ça que je reviens. Ce n'est pas pour dire que les filles, de façon ultime, l'ont pire que les garçons de façon générale, mais je veux dire, c'est que la sexualité est très intime et atteint l'intégrité du corps. L'abus sexuel, la violence sexuelle atteint l'intégrité du corps. C'est ça la différence. Et ça a un impact. Le nombre d'histoires qu'on m'a racontées de filles tombées enceintes, l'enfant pas reconnu quitte l'université, violée quitte l'université, on lui a promis qu'on la marierait, ou je crois, quitte l'université. C'est l'éducation même des filles qui est mise en péril oui. par ce système de séduction des filles. Alors que les garçons, moins. Parce que faire partie de la machine peut éventuellement donner lieu à un universitaire moins intéressant, mais à quelqu'un qui peut quand même avoir un poste. Hein, tandis que si la fille quitte le milieu universitaire, ben, elle le quitte. Donc, c'est un salaire moins élevé, des conditions de vie, tout ça. Hein, c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Enfin, à mon avis. Mathieu, t'avais une question? Oui, ça touche beaucoup ce qu'on vient de dire. Moi, j'ai pas lu l'essai de Yvon Levert, qui est fait assez souvent référence durant votre texte. Je me demandais si, pour lui, il voyait aussi je sais pas dans quelle mesure il parle de ce problème-là, tout court, dans son texte. Mais en fait, il en parle tout le temps sans le nommer comme tel. Ah, d'accord, c'est ça. Okay. C'est ça le problème que j'avais sur l'essai. Okay. Mais bon. Je me demandais si, pour lui, il liait ça avec une certaine crise du savoir aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup l'idée de performance ou de performativité de l'université qui est au centre d'une critique actuelle qu'on en fait. Par exemple, la dénonciation, c'est toujours par crainte de perdre un peu ses privilèges ou ses subventions. Puis c'est, entre nous, je sais que le département de littérature comparée, ça a menacé de ruine. Le département, là, un cas comme ça, où personne n'a voulu se mouiller. Oui. Puis là, ça, l'idée de performance est au centre de ça, puis c'est quasiment comme si le rapport sexuel, c'est. On nous demande une. Ben, moi en tant qu'homme, là, mais on nous demande, on demande aux étudiantes une performance ultime extracurriculaire. Mm-hmm. Carrément, puis je me demandais si, par rapport à ça, la figure de l'amour, qui est dans le titre de son essai, je crois. Si c'est pas aussi une façon de réfléchir à une autre façon de renverser ce rapport-là tout en gardant la dimension affective pour comme, revaloriser cette espèce d'idéalisme du savoir qu'on Oui, non, a mais perdu. Absolument, et c'est ce que Rivard fait, mais en même temps, c'est là où on peut pas être d'accord, lui et moi. Je veux dire que, pas parce qu'il a pas raison, mais parce que j'arrive pas du même. Je prends pas la même porte d'entrée. Et je veux bien, mais lui, il s'abstrait. Il arrive à s'abstraire. Lui, c'est idéaliste. Finalement. Voilà. Et il convoque d'ailleurs beaucoup de philosophes masculins, d'écrivains. C'est tout un monde d'hommes, son essai. Et mais franchement, rapport à la littérature, son amour, platonique et romantique. C'est ça, c'est très platonicien. C'est dans la désincarnation qu'on c'est parle. Complètement idéalisé. Ouais. C'est le corps est là, mais il est d'une certaine façon. Il est en décalage. Ouais. Du pouvoir cérébral. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a toute une lecture de, comme je disais dans mon texte, cette peur de la mort. Et puis bon, il essaye, il attaque plein de monde, mais il cache l'attaque sous une compassion qui vise qui passe par l'analyse du pourquoi ces hommes agissent de telle façon, mais parce qu'ils ont peur de mourir. Bon, d'un point de vue féministe, j'avoue qu'on reste un peu. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Peu importe pourquoi ils le font, je veux qu'ils cessent de le faire. Donc, ma position à moi est celle-là, mais comme je dis, c'est pas qu'il a pas raison et que c'est pas intéressant, c'est juste qu'on n'arrive pas du tout du même lieu et on n'est pas aux mêmes fins non plus. Mais, peut-être que je comprends mal, mais en quoi ils ont peur de mourir? De mourir, peut-être que c'est plus clair du monde voir que moi. Non, c'est que moi, je sais pourquoi j'ai peur de mourir. Ah oui! Oui, moi aussi. Non, mais je veux dire, dans le contexte d'un conflit éthique comme ça,
C'est-tu ça ou c'est juste une peur normale de mourir? Je le réduirais de façon très, très caricaturale à la jeunesse, la jeune femme qui incarne cette jeunesse, et puis la promesse de l'avenir. La promesse de l'avenir qui est incarnée dans le corps de la fille. Mais, et on le comprend, c'est-à-dire qu'on le constate, on voit bien que c'est ça, quand je cite ce collègue qui dit qu'il y a tellement de belles jeunes filles autour, mais oui, mais la jeunesse est attirante. Et les profs à l'université vieillissent, les étudiants ne vieillissent pas. Donc, ils rajeunissent, oui. Et donc, nous, on se voit vieillir et vous avez toujours le même âge. Et plus le temps passe, plus le vieillissement, et je parle d'expérience, est difficile à accepter. Et donc, on comprend aussi que dans un rapport de sexualité comme celui-là, et où en plus, c'est un prof masculin qui n'a pas tendance à canaliser ses pulsions, que dans ce contexte-là, la peur de mourir se manifeste, hein, plus le vieillissement avance. Bon. Je comprends tout ça, mais je trouve ça peu rassurant. Je le lirais peut-être un peu différemment, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez à propos de lui-là. Je crois que s'il ne parle pas de sexualité, c'est parce que, justement, ce n'est pas de ça dont il est question. Selon ma lecture, c'est que précisément ce qu'il critique, c'est que dans la peur de mourir, dans la prédation, si tu veux, du jeune étudiant ou de la jeune étudiante, qu'elle soit sexuelle ou pas, d'ailleurs, elle peut être simplement d'exercer une influence morale, en fait. Il y a une confusion, en fait, avec le désir d'infini qui croit s'exercer sur le désir du fini, si tu veux. Donc, à travers le corps de la jeunesse, il y aurait fallacieusement, en fait, une prise de possession d'un horizon de l'infini. Et en fait, ce que dit Ribin, c'est là où est l'erreur, c'est que l'horizon de l'infini, il est dans la transmission du savoir. Et c'est là, justement, où l'enseignant apprend autant de l'étudiant que l'étudiant apprend de l'enseignant. Ensemble, ils essaient d'infinitiser, si ça se dit, leur savoir. Et donc, à partir du moment où il y a une littéralisation, en fait, de cette notion sur dans le champ pratique, physique, sexuel, c'est là que, justement, l'enseignant est sorti de l'exercice de la recherche du savoir. Donc, selon moi, dans cette optique-là, c'est pas que c'est une optique idéaliste, c'est qu'en fait, justement, il essaie d'intégrer la part affective du savoir, du désir de savoir, du désir de transmettre le savoir, indépendamment ou en deçà ou avant le fait qu'elle puisse devenir sexuelle. Parce que, justement, elle ne devait jamais devenir sexuelle. Mais pour moi, ça, c'est un échappatoire. Je pense que ça, c'est un évitement. Parce qu'après, quand on le lit, par exemple, dans la Gazette des femmes, l'argument, il est militant. Et donc, moi, l'argument militant, j'aurais voulu qu'il fasse partie de l'essai. Parce que ce qui fait Rivard dans l'essai, c'est quand même de dénoncer sans les nommer, et même en les nommant, puisqu'il passe par les publications de ses profs pour les dénoncer. Donc, il y a quelque chose qui s'opère d'un lynchage public, mais qui ne passe pas pour lynchage, parce que justement, recouvert de ces couches de savoir et de cette idéalisation de l'enseignement. C'est là que je trouve que ça ne marche pas. Et pas parce que l'essai n'est pas magnifique. Hein, je trouve qu'il est fabuleusement écrit, il est absolument convaincant, mais malheureusement, il y aurait... Parce qu'il cite en plus des trucs trash. Hein, nous avons Marie-Cécile Labrèche, je suis désolée, mais il la cite énormément, c'est elle qui cite le plus. Donc il parle sans cesse de sexualité. Mais ce n'est pas pris en charge d'un point de vue militant. Et c'est ce que, en fait, c'est le reproche que je fais à Rivard, mais Dieu merci, comme ça il me permet de parler. Mais c'est quand même, il aurait pu faire coïncider tout ça. Il aurait pu les ramasser et les entrelacer, ce qu'il n'a pas fait. Et pour moi, ça, c'est la grande couverture de flanellette du savoir qui vient enrober un truc beaucoup plus glauque et beaucoup plus triste en bout de ligne. Mais bon, mais ça, c'est ma lecture. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est extrêmement perverse aussi, parce que ça fait partie de l'argument de vente. En tout cas, nombre de fois, j'ai entendu des gens vouloir poursuivre des études à un niveau universitaire élevé, dans le but justement d'aller vers une carrière d'enseignement où, comme dans la réalité où ils sont égales avec les femmes, où ils ne réussissent pas à avoir de relations, ça devient un discours où, on le sait, dans l'enseignement, c'est facile, on a accès à plein de jeunes femmes, attends voir que j'enseigne. En avoir du sexe maintenant. C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu. Je ne fréquente pas des gens bien, mais. Je trouve ça tournant, parce qu'effectivement. Il n'y a pas du tout l'amour de l'enseignement. C'est une excuse, finalement, que j'ai l'impression que des professeurs comme ça qui transgressent, mais c'est même plus de l'ordre de la transgression, c'est vraiment. Il y a un poste qui permet d'avoir accès à un réseau de jeunes femmes et qui en font quasiment un règne de la
prostitution, parce que c'est un peu ça. Je te t'auras telle bourse. Ben, c'est si ce qu'en fait. Tu c'est ça, ouais, c'est absolument. Vraiment ça. Absolument. Puis, vous parliez aussi de l'émulation, donc, les étudiants masculins. Ça cause un problème, moi j'ai l'impression, parce que dans les départements où ça se produit beaucoup, puis où il y a beaucoup de sexisme, c'est reproduit par la suite aussi par les étudiants masculins. Sûr, ben, les femmes, moi j'ai reçu des fois là, des commentaires au bac en philo, c'était quand même épouvantable. Oui, j'en doute pas. Oh, oui, mais je l'ai vu. Et dans mon département, la crainte des filles, évidemment, c'est de se faire ostraciser du groupe des garçons, qui eux sont plus proches des profs, qui eux donc ont accès aux subventions. Oui. Bon. C'est tout ça. Mais je faisais partie de la gang des gars, là. Je ne veux pas en être expulsée. Mm-hmm. Tu sais, le prix va être bien trop élevé. Mm-hmm. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est reproduit, absolument. Il y a deux questions. Vous et Clara, après. Oui. Donc, moi, je vais me faire, le temps d'un instant, l'avocat du diable, en donnant un contre-exemple. Et je me demandais si vous protégiez aussi ces gens-là. Je connaissais au bac une jeune femme qui, visiblement, avait un gros kick sur un prof. Donc, à tous ses cours, sa vie est très sexy, elle a le droit, mm-hmm. quand même. Aller le voir après tous les cours, lui parler. Elle l'invite à prendre des verres, prendre des cafés, ce qu'il refusait toujours. Mais quand même, ça créait un malaise à tel point qu'à la fin de la session, il fuyait pour pas qu'elle lui parle. Mm-hmm. Donc, est-ce que votre démarche va aussi dans le sens de protéger ces hommes, parce qu'ils ne sont pas tous des porcs. Ben non, mais la preuve est qu'ils ne sont pas des porcs, puisqu'il partait. Mais il n'a pas besoin d'être protégé, lui. Il part. C'est lui, mais c'est une forme d'harcèlement aussi. C'est une forme de harcèlement. Tout est relatif. On est en position de vie publique, les profs. On se met devant des salles de classe remplies d'étudiants tout le temps. On se fait tous harceler. Tous. On se fait... Même les filles, là, je veux dire. Que ça vienne de filles ou de garçons, d'ailleurs. On se fait faire des propositions, on se fait frôler les pieds. Enfin, quand on est autour d'une table de séminaire, on se fait, bon, tout arrive. Oui, bien sûr. Mais comme prof, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas mordre à l'hameçon. C'est surtout que vous avez un pouvoir de sanction. S'il y a un problème. Oui, exact. On est en position de pouvoir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est... facile de dire non ou que c'est agréable de devoir gérer ces situations-là, mais on est, à moins d'être menacé de violence physique, là, qui là c'est un autre, on parle d'un autre cas de figure, là. Mais cette espèce de flirt qui circule et tout, ben oui, bien sûr, tout le temps c'est là. Mais on est en position de pouvoir. Puis les professeurs peuvent en parler aussi. Mais bien sûr, c'est la grande différence. Ben, pas du tout. Pour éviter l'invisible et l'invisible de professeur, je te dis, avec ton écouté. Oui, ça. On n'est pas tout seul là-dedans. On ne peut pas passer autrement. Mais c'est pas tout le monde, mais selon la personnalité, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Non, mais il y a des gardes de sécurité dans les universités. Il y a des façons d'organiser des rendez-vous avec des étudiants dans des lieux publics. On peut prendre une salle de séminaire et puis, vous voyez, on a plein de stratégies. Mm-hmm. On n'est pas. L'université, c'est notre lieu à nous. Donc, on sait vers qui on peut se tourner, on sait à qui on peut faire appel, on sait comment investir le lieu, on sait où circuler. C'est beaucoup plus facile pour nous. Mais j'ai des amis, des jeunes profs, très élégants, très beaux, bon, qui sont dragués par des étudiantes. Ils gèrent. Mm-hmm. Ils gèrent. J'espère. Mais surtout aussi, juste pour continuer, la grosse différence, c'est que, à la base, qui annule un peu toute la discussion, c'est que les professeurs n'ont aucune conséquence négatif, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune vulnérabilité professionnelle aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vivent des difficultés, des situations difficiles. Sûr, ça, comme vous dites, c'est jamais facile non plus. Mm-hmm. Puis il y a tout le côté de la flatterie, puis de l'ego, il faut. Bon, mais il n'y a aucune vulnérabilité professionnelle, contrairement à l'étudiant qui, lui, a toute une vulnérabilité académique. Oui, a tout à perdre. L'étudiant a tout à perdre. Le prof n'a rien à perdre. Exactement, exactement. Parce que aussi, je repensais à ce que vous disiez Maïté au début, puis je me disais, c'est quand même aussi intéressant toutes ces démarches-là, parce que ça nous permet de questionner aussi, dans le processus inverse, la rhétorique du professeur. Mm-hmm. Puis tu sais, je pense à Mathieu, sur ton intervention, je me dis, peut-être qu'on est arrivé, peut-être que, alors que le fait de parler de ces choses-là, puis je vous remercie aussi, Martine, de parler de ça aujourd'hui, tu sais, ça nous permettrait peut-être aussi de réinterroger cette tradition rhétorique du professeur qu'on n'a pas re-questionné depuis l'Antiquité, finalement. Ouais. Puis, tu sais, je pensais à ça, je me disais, j'en ai parlé avec mes collègues qui ont donné des cours, puis
ça m'a vraiment frappée parce que c'est très marqué, en tout cas moi c'est mon expérience que j'ai, mais l'expérience que j'ai eue c'était très marqué que mes étudiantes, parce que moi je vous voyais tout le monde, et toutes mes étudiantes me vous voyaient, alors que presque 90% de mes étudiants, même des garçons très articulés, très respectueux, me tutoyaient catégoriquement, même quand moi je les vous vois. Donc quand je les croise dans le corridor ou quand ils viennent me voir, je vais leur dire bonjour X, vous allez bien, puis ils me disent oui, toi ça va. Ouais. Puis je me dis, ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent aussi. Il y a deux mesures de rapport. Mm-hmm. C'est-à-dire que même l'étudiant, consciemment ou inconsciemment, il demande quelque chose d'autre à la hiérarchie, même de façon rhétorique, dans le champ du savoir, à son professeur masculin. Puis on le voit aussi dans les cours, les étudiants n'ont pas du tout le même mode de commentaire puis de questionnement envers même dans les séminaires, envers les profs femmes qu'envers les profs. Il y a des choses qu'ils ne remettront jamais en question avec la même agressivité ou la même assurance face à un professeur homme parce qu'ils veulent aussi entretenir, tu sais, alors que... Et en tant que prof, il faut être vigilante, et là je m'inclus absolument dans le « on », comment et à qui on donne la parole. Oui. Et parce que nous-mêmes, on est sensibles, on est dans une culture, je veux dire, on le fait des fois spontanément, et je me suis surprise, moi, au début, surtout de l'enseignement, à donner la parole beaucoup plus à des garçons, alors que je donne des cours d'études féministes où il y a comme 3 gars dans la classe, il n'y en a jamais. Et je me rendais compte qu'ils parlaient beaucoup, trop, mais je me rendais compte aussi qu'ils avaient une habileté, ils avaient une facilité à prendre la parole, ils étaient articulés, ils étaient sûrs d'eux, ils occupaient le terrain, alors que les filles, toujours un peu, mais je ne sais pas, peut-être que, bon. Et comme prof, on est sensible à la rhétorique, et donc on a tendance à... Il faut être très vigilant, parce que ces rapports de pouvoir, que là j'ai limité à la sexualité, mais ils sont là partout, tout le temps, donc il faut tout analyser. Et comme vous disiez, au fond, je pense que la chose la plus importante qui me reste, c'est justement ces chaînes qu'on reproduit. Le rapport prof-étudiant n'est pas tout seul, il est dans cette chaîne de récits, dans cette chaîne d'histoire d'amour qu'on a en tête. C'est un stéréotype, c'est un cliché, et on le reproduit sans y penser. Et si on commence à le repérer, à prendre un peu de distance par rapport à ça, déjà, on est un peu plus en moyen de faire quelque chose, de ne pas tomber dans le panneau. Mais c'est normal que de jeunes étudiantes tombent dans le panneau. Mais on ne voit pas comment autrement. Pourquoi elles ne tomberaient pas dans le panneau? On leur donne ces histoires d'amour-là dans le biberon. Ça fait des siècles qu'on nous nourrit à ça. Donc c'est sûr que le récit que je fais au début, c'est bien sûr, il a 40 ans, il en a 18, mais mon Dieu, bien sûr, ça va de soi. Comment? Non, je pensais à un... Non, ça va pas avant. Non, c'est un roman de être sans destin, mais le personnage, c'est tout le temps, on se rapporte à la chose. Oui. C'est tout le temps à faire un actuel. C'est à double. Oui, c'est ça. Mais oui, naturellement. Oui. Et quand on fait ça. Oui, oui, exact. Merci tout le monde. Merci surtout Martine. Ah ben non, merci à vous.